J'ai une machine qui a fait défaut en bas. Tiens, j'ai mis des bonbons rouges sur le glaçage. Ceux que tu aimes. Manuel n'est pas là? Est-ce qu'il est? Je sais pas, moi. Encore battu, hein? Non. Je t'ai pas à l'école pour apprendre à lire, pas pour apprendre à te battre. Tu fais mal. Nouvelle semelle, nouveau talon. Qu'est-ce que c'est que ça? Poubelle. Hé, hey, c'est à mon père. Fini, ils sont plus bons. Ça sera prêt la semaine prochaine. 7 $. Terminado. Le test aurait juste une page et demie. J'ai changé d'idée. C'est moi qui décide ce qu'il faut pour la classe. À ta place, Manuel, là, j'élèverais pas trop la voix. T'es pas de ceux qui ont le moins besoin de travailler, hein? Bon, je perdrai pas mon temps, puis surtout, je ne ferai pas perdre aux autres. Vous pouvez commencer. Thank you.
nova loja acaba de abrir as suas portas na rua de Barra. Merci, madame. Bonne journée. Merci beaucoup. Veux-tu me lire ça? J'ai pas mes lunettes. C'est de la publicité. Hein? C'est pour des soutiens-gorge et des corsets. La lingerie Costa de l'avenue du Parc est heureuse de vous annoncer sa vente de petites culottes. Nous les avons dans toutes les couleurs et avec des dessins dessus. Lis où que je t'ai écrit. Je suis en train de te lire. Tu n'as rien lu du tout. Je vais être en retard. Sais-tu ce qui est écrit? Je vais te dire, moi, ce qui est écrit. Ça vient de ton école. Et c'est écrit que tu es un imbécile qui ne sait ni lire ni écrire. C'est écrit que l'année prochaine, ils vont te mettre dans une classe spéciale. Une classe d'arriéré! C'est tout ce que tu es, hein, un arriéré? Je suis pas un arriéré. C'est pour ça que je suis venu au Canada. C'est pour ça que je travaille jour et nuit. Pour faire vivre un arriéré, là. Laisse-moi tranquille. Papa! Ah! Je te déteste. Ah. Comment je vais te faire ce qui? Tu es la honte de la famille. Maldite fille! T'en as vu combien, toi? J'en ai plus, plus que toi. Oh. Wow! Je crois les bovins dans le fond de la rue. Oh!
Moi, je pense qu'il est mort. Il y a quelqu'un qui l'a tué et qui l'a jeté dans un fossé. Je l'aimais, moi, Manuel. Qui c'est qui va m'aider à cette heure, hein? Je suis seul. Seul. Il faut passer la nuit dehors. Ça va lui faire du bien de coucher dehors les nuits aux deux. Comme ça, il va savoir ce que c'est que d'avoir une maison. Qui a couché ici. Comment ça se fait? Il n'y a plus de place au Sheraton. Hey, relax. Je sais c'est quoi, je suis venu au monde d'enlever. Ça a l'air d'avoir du guts. Hey, Costa, tu vas t'inviter. Tu veux quelque chose à manger? Viens. Ou des chips, du coke. Écoute-moi bien, Ticu. Tu restes ici, tu dors ici, pas de problème. Nous autres, on dira rien. Puis qu'on a une business à faire rouler, puis de temps en temps, tu vas nous aider. C'est correct? J'ai dit, c'est correct? Révolutionnaire, moi. Que te crees, muchacho? Et un soldat. Et un homme de principe. Tu sais ce qu'on chantait quand je travaillais à l'usine? Je les ai dans le cul, les travailleurs, depuis que c'est moi le directeur. No digas eso, hombre. Tu sais ce qu'ils ont fait, les travailleurs en Catalogne? Ils ont fait les cons. Ce n'est pas drôle. Tu le sais. Tu étais là. Bien sûr que j'y étais. J'étais travailleur aussi et je me suis battu. Les travailleurs ont repris en main les usines. Ils sont tenus tête aux fascistes. Mais nous avons perdu quand même. Va comme ça à sa place. Tu sais ce que tu as pris?
Tu as pris le pouvoir d'un travailleur. On ne vole pas un travailleur. Va voler le riche, pas ceux qui travaillent. Tu as compris, Mocoso? Va remercier. Tu l'as pris. Si tu veux survivre dans la rue, Jimmy, faut que tu te battes. Toi, t'as-tu une blonde? Les flics m'attraperont jamais. Je connais toutes les ruelles. Moi, j'aimerais ça avoir une blonde. T'es fou. Tu devrais me voir. La nuit, je dors dans une espèce d'hangar tout seul. Y a personne qui me dit quoi faire. Ton père, il est toujours en train de me dire quoi faire. Roule les croissants, découpe les biscuits, lave le plancher. Tiens. Sais-tu comment je fais pour avoir de l'argent? Moi, je pense que... à Toronto, j'en trouverai une. Une rousse. Sais-tu comment je fais pour avoir de l'argent? Comment? Je suis dans une banque. Je vole. Jimmy, flambeau, va rouler les croissants. Manuel? Manuel, attends! Están estos con el poder, harán lo mismo que hicieron los otros. Nada. Vamos. Anda. Es un golfillo. Emilio, ¿a dónde estabas? Golfo. De su pepa de Tres Croix. Tu madre te está esperando. Anda, vámonos. C'est mon petit-fils. Les soupers sur la table et ils traînent encore dans la rue. Ah, les enfants. Bandido. Ah, je n'aime pas la police. Dale, Don Quijote, vamos. Bien. ¿Quién es? No sabes quién es. Et cette blessure, comment il se l'est faite? Où sont ses parents? Tu poses trop de questions. J'appelle la police, ils vont s'occuper de lui.
Jamais. Mais oyes, jamais. La police ne mettra les pieds dans cette maison. Merci. Hey, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Manuel, viens ici. Laisse-moi passer. Où t'étais? La police te cherche partout. Où toi, être là? Regarde-toi, t'es dégoûtant. Où est-ce que tu vis, dans les poubelles? Je t'ai dit de me laisser passer. Tony! Fais-moi signe quand la garderie sera fermée. Tony, non, attends. C'est juste un second. Qu'est-ce que tu caches? Voleur. Qu'est-ce que tu caches? Non. J'en ai déjà vu d'autres. Il va revenir. Toi, comment tu t'organises? Je me débrouille. Je vais plus à l'école. Tu sais ce que ça veut dire? Je vais pas revenir à la maison. Thank you.
D'après toi, à quoi ça ressemble? Hey, qu'est-ce qui te prend? Quand on s'habille comme ça, on porte pas de crucifix. Ah non? Je devrais m'habiller comme si j'allais à la messe, je suppose. Ça t'irait pas plus mal. Je pourrais m'asseoir dehors, le cul vissé sur une chaise, à regarder la rue. Et me mettre à quatre pattes pour laver les planchers. Hein? Donne-moi ça. Borné. Au Portugal, les filles comme toi s'habillaient décemment et obéissaient à leur père. Ça, c'était au Portugal. Maintenant, on vit au Canada. Ici, c'est un pays libre. J'ai bien fait de laisser partir Manuel. Manuel est venu ici? Quand? Aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Rien. Est-ce que tu viens? De Montréal? Ta mère vit ici? Et ton père? Regarde-le, cet enfant-là crève de faim. Comme s'il n'avait jamais mangé de sa vie. Je vais appeler l'assistance. Je te l'interdis. Pas question. Ni hablar. Bon. Ne l'écoute pas trop, il radote. Du gâteau au chocolat. Juste. Elle a toujours été comme ça. Comme ça, tu sais comment te battre. Et pourquoi tu te bats? Pour se battre, il faut avoir une bonne raison. Dis-moi, tu aimes la police? Les professeurs? Les adultes? Tu vas à l'église? Tu aimes être libre? Claro. Tous les êtres humains aiment la liberté. Moi aussi, je me suis battu pour être libre, comme toi. C'est en Espagne en 1936. Il y a si longtemps que personne s'en souvient.
Quand on s'y va, il faut savoir pourquoi. Tiens, apporte-le chez toi. Essaye d'apprendre quelque chose au lieu de voler. Pas comme ça. Comme ça. Tu as aimé ça, Manuel? Ouais. Regarde. Qu'est-ce que ça veut dire? L'anarchisme, c'est une philosophie politique qui veut l'égalité pour tous. Un système sans chef et sans gouvernement. Un beau rêve. Ils ont rêvé pendant tout un été. Sans gouvernement? Sans gouvernement, si, seigneur. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'école? Bien sûr qu'il y a de l'école. Il faut s'instruire. Mais vous avez dit que... Il faut apprendre à penser, à analyser, à se servir de ça. Sinon, tu ne peux rien changer. Changer quoi? Tout. Toute la société. Bien. Tout? Tout, oui. Tu sais qu'en Barcelone, en 1936, on avait volé l'argent. Comment tu payais? On distribuait la nourriture et les vêtements à chacun selon ses besoins. Jusqu'à ce que chacun exige plus que ses besoins. Beaux vêtements, souliers fins, côtelettes de choix. On peut pas vivre sans argent. Bien sûr qu'on peut. Mais à quoi tu paies? Tu échanges, tu troques. Et je répare tes souliers et tu me donnes tes tomates. Mas claro agua. Mais ça n'a pas marché. Les autres n'ont pas voulu échanger leur canon contre notre bonne volonté. Nous avons tenu pendant 3 années. Seul. Le peuple s'occupait de tout. Sans propriétaire, sans compte-maître et sans chef. Sin amo. Il faisait pousser des récoltes sans laisser le vote d'aucun gouvernement jusqu'à ce que les intérêts communistes interviennent. Mais les communistes, ils étaient contre les fascistes? Alors? Ils étaient de l'autre côté? Non, c'était nos ennemis. Vous avez dit que les fascistes étaient vos ennemis et que les communistes combattaient les fascistes. Vale, vale. Ça suffit pour aujourd'hui. Va réparer ce talon. Va gagner dans le vitre. Il va prendre. De toute façon, entre la théorie et l'action, il va avoir le temps d'en réparer les talons. Quel tari! Tu veux laisser ma machine? Tu ne sais pas lire? Des ans. Gagé. L'ambre. Bras. Yaga. A. Vente. De. Dit. Mar.
c'est pendant la révolution. Révolue? Continuez, continuez. Tion. Non, pas Tion. Sion. La T placée devant la I, ça fait Sion. Concentre-toi. J'aime pas ça, ce livre-là. Il n'y a même pas d'image. Rien que des mots. Des images? Tu veux des images? Quel genre d'image? Des femmes nues? Des voitures sport? C'est ça que tu veux? Des livres insignifiants? Les mots ici sont des vrais mots. Des mots qui signifient quelque chose. Tu veux voir des images? Regarde. Ça, ce sont des images. Regarde sa femme. Des miliciens qui vont se battre. Et cela, tu vois, elle travaille dans les usines, à la place des hommes. Et ça, tu sais qu'est-ce que c'est? Des ouvriers, des paysans, des gens de peuple. Regarde comment ils sont. En chemise, en espadrille, avec un fusil et quelques cartouches, ils se battent pour la liberté. Contre qui? Contre des soldats professionnels, des troupes d'élite, des légionnaires franquistes, les fascistes italiens, les allemands nazis. Ça, Manuel, ça, ce sont des images vraies. Des images de peuple espagnol qui se bat contre ceux qui allaient devenir les ennemis de toute l'humanité. Pourtant, le monde entier a fermé les yeux sur l'Espagne. Elle ne voulait pas voir les souffrances qui l'attendaient. Regarde, ça ne s'oublie pas. Avec ça, Manuel. Il se prépare à l'université. Ouais. Ça, c'est une Wonder Bar. Tu laisses te boulant en dessous de la fenêtre. Tu donnes un coup comme ça. Hop, ça s'ouvre. Ça fait pas de bruit, ça laisse pas de marque. C'est parfait. Tiens, Manuel. La prochaine fois, c'est à toi, OK? On l'a ramassé cette nuit. Il essayait de rentrer par effraction dans une maison privée. Il n'a pas d'identification. Il refuse de dire son nom. Il n'a pas encore dit un mot. Ça fait que c'est plus notre problème, hein? Mesurez-vous bien, madame. Manuel m'a donné votre numéro de téléphone.
Je sais que vous n'êtes pas son père. Vous êtes son grand-père. Dites-moi, qu'est-ce que ça fait que nous soyons parents ou pas? Faire une fugue. Quitter la maison pour aller vivre dans la rue, c'est sérieux. Entrer par effraction dans une maison, ça l'est beaucoup plus. Je suis pas comme les autres. Je suis pas un voleur. C'est Simon qui m'a forcé. Ah oui? Il t'a forcé comment? Il t'a mis un gun sur la tempe? T'avais vraiment pas le choix? Monsieur Alvarez, tous les jours, on m'amène des jeunes qui vivent dans la rue. La plupart du temps, il faut les faire soigner parce qu'ils ont reçu un coup de couteau. Quand c'est pas une balle. Ils sont brisés, désespérés. Là, on nous demande de les aider, de les conseiller. Puis on doit les laisser repartir. Puis ça recommence. Alors? Toi, petit voleur, c'est comme ça que je te retrouve. Viens-t'en! On s'en va à la maison! Non! Qu'est-ce que ça veut dire, non? Vas-y, marche! Monsieur Estrada, vous lui faites mal. Je suis son père! Il s'en vient avec moi! Ici, c'est moi qui décide. Assoyez-vous. Ah! Pour l'instant, il reste sous ma responsabilité. Jusqu'à temps qu'on prenne une décision. Qu'est-ce que vous fabriquez avec mon fils? Nous sommes des amis. Plus maintenant. Vous allez lui foutre la paix. Pourquoi? Parce que je vous le dis. Pourquoi vous prenez-vous pour me dire quoi faire? Pour son père. Et c'est moi qui décide. Compris? Dictateur. Communiste. Ignorante. Tout ça, c'est de votre faute. C'est vous qui lui bourrez le crâne d'idées stupides. Vous en avez fait un délinquant. Ouvrez-vous les yeux. C'est pas moi qui influence votre fils. C'est cette société pourrie qui est en train d'en faire un criminel. Bien sûr, c'est la faute de la société pourrie. Lui, il n'y est pour rien. Ici, on va lui mettre un peu de plomb dans la cervelle à ce morveux. Ben voyons. Là, voilà la solution. La punition. Les enfants en prison. Si ça leur apprend la discipline, oui. Fasciste, desgraciado. Communiste, fanatique. Anarchiste. Vous m'entendez? Pas communiste. Manuel refuse de retourner chez son père. Il menace de s'enfuir si on le renvoie là-bas. Il veut venir vivre avec vous. Et vous êtes plus très jeune, hein? Emmanuel est un jeune garçon. C'est pas, disons, habituel de le placer dans un foyer comme le vôtre. Mais on n'a pas le choix, les centres d'accueil sont débordés. Des prisons? Oui. Des prisons. Aussi, si vous étiez prêt à faire un essai. Temporaire. Je serais d'accord. Bon.
Si vous êtes d'accord, juste une petite formalité. J'ai juste quelques formulaires à remplir, puis à signer ici. Non. Comment, je comprends pas. Je ne signe aucun formulaire. Pourquoi? Un homme n'est pas une marchandise que l'on traite avec des formulaires. Mais c'est juste une formalité. Exigé par qui? Par la loi. La loi? De qui? Mais notre loi, la loi de notre gouvernement. Je ne suis concerné par la loi d'aucun gouvernement. Monsieur Alvarez. Je ne ferai pas de compromis. L'univers, monsieur Alvarez, est rempli de compromis. Non, c'est pour qui, non comprendo. Tu ne t'es jamais intéressé aux enfants et maintenant tu veux que ce petit vienne vivre avec nous. Escuchame. J'ai 70 ans. Et toi, tu n'es plus jeune, toi non plus. J'ai envie de mourir en paix. Alors, escuchame tu. Il a le choix entre la prison ou la rue. Il a son père. J'ai parlé avec la travailleuse sociale, moi aussi. Son père? Son père, c'est un pauvre type. Est-ce que la travailleuse sociale t'a dit ça aussi? Ayúdame, au lieu de respecter. Anda. Allez, continue. C'est la solarité qui... Solidarité. Répète. Solidarité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un homme tout seul, il n'est rien. Mais solidaire des autres, il peut tout. Car l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Bien. Mais tu as compris ce que ça veut dire? Ben oui. Ça veut dire, si on veut changer quelque chose, on doit juste compter sur nous autres. Muy bien. Maintenant, continue. La loi dit que tous les hommes sont égaux. Mais elle met d'un côté ceux qui ont la richesse et le pouvoir. De l'autre, ceux qui n'ont que leur travail et doivent obéir. Dans ces conditions, l'État ne peut réaliser l'égalité réelle. Ce n'est que sur les ruines de l'État et des institutions mensongères que pourra naître la véritable égalité. Tu comprends l'égalité? L'égalité? Qu'est-ce que tu connais de l'égalité? Silencio! Regarde, Manuel. Regarde dans cette maison. Où est-elle, l'égalité? Ça fait 50 ans que je lui lave son linge, que je lui fais sa cuisine, que je nettoie sa maison. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va au café régler le sort du monde avec ses copains. Et moi, je reste ici. Il ne sait même pas se faire cuire un œuf. Sans moi, il mourrait de faim. Tu sais faire la cuisine? T'es capable? Je l'ai vu faire son café hier. Oh! Quel grand chef! Et toi, tu es son assistant, je suppose. Très bien. Très bien, les grands chefs. Pendant que vous allez cuisiner, moi, je m'en vais lire Bakounine, Karl Marx et les autres. Non, mieux que ça. Un bon roman arlequin. Égalité. Et la mise en place d'un pouvoir de transition ne saurait être autre chose qu'un leurre.
tu étudies. Veux-tu que je te raconte une histoire? Il était une fois un jeune homme qui était tombé amoureux d'une jeune fille. Et son amour était si grand qu'il ne voyait rien d'autre autour de lui. Il était prêt à se battre, même à mourir pour elle. Alvarez? Un jour, la jeune fille disparut. On ne l'a jamais retrouvée. Les années ont passé et le jeune homme est devenu un vieillard. Mais il n'a jamais oublié la jeune fille. 50 ans plus tard, il parle encore d'elle et il rêve encore d'elle. Il attend toujours son retour. Il l'aime aussi passionnément qu'avant. Mais rien n'est plus pareil. Elle ne reviendra jamais. Toi? Non, pas moi. Ça n'a jamais été moi. Ça n'a jamais été une vraie femme. Si elle avait été une vraie femme, j'aurais pu être jalouse, j'aurais pu divorcer. Même le tuer. Non, cette femme, c'est cette chose qu'il t'enseigne, l'anarchisme. Joue à la balle, Manuel. Regarde la télévision, fais de la bicyclette. Deviens chauffeur d'autobus ou président de compagnie. Surtout, ne gâche pas ta vie pour un rêve. T'as pas le droit de raconter l'Espagne, l'anarchisme et tout ça à cet enfant. T'as pas le droit.
$3.32. Tu sais combien de temps empêchait pas sa mère pour attraper ces poissons-là? 6 mois. Tu sais combien d'argent il reçoit? 10 sous. C'est bon, tomate de Murcia. Qu'est-ce que c'est que ça? Du thon. Je sais bien que c'est du thon. D'où est-ce que ça vient? Du supermarché. Qui l'a volé? Ouais. Le supermarché vole le travailleur. Moi, je vole le supermarché. Je suis venu chercher mon fils. Vous me le ramenez dans 2 heures. 2 heures. Qu'est-ce que c'est que ça? Du thon. Je vois bien que c'est du thon. Qu'est-ce que ça fait dans la poubelle? C'est de la bonne nourriture. Ça reste dans la poubelle. Comment ça, ça reste dans la poubelle? Ça reste dans la poubelle, j'ai dit. Ça sent mauvais en ville. Au moins, il y a du monde en ville. Tu exagères. Il y a beaucoup de Portugais qui déménagent à Bonlieu. Je m'en fous, ils déménagent, les Portugais. Vous allez vous habituer. On joue pas dehors, c'est l'heure du souper. Tu vois, Manuel, c'est pour ça que je travaille si dur. Dans un an ou deux, je vais pouvoir acheter une maison comme celle-là. Avec un petit jardin, des arbres. Tu pourras avoir ta chambre, à toi tout seul. Tu viens souper avec nous? La travailleuse sociale a dit que la visite durait 2 heures. Maintenant, je veux retourner à la maison. C'est ici ta maison. Ici, c'est pas chez moi. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? On a visité des maisons de banlieue. Le banlieue? Il construit des maisons en préfabriqué et il prétend que c'est des chênes. Un seul homme accapare un terrain qui pourrait loger 30 personnes. Plus mince des tranches de tomates. C'est quoi le but de la révolution? D'après toi, justement, qu'est-ce que c'est? C'est établir une justice sociale pour que chacun vive mieux. Dans une belle maison? Pourquoi pas? Si tu travailles honnêtement pour la gagner. Avec un terrain? C'est possible. Pas dans les banlieues. Il n'y a plus de terrain en ville. C'est mieux de vivre empilé les uns sur les autres que de dormir dans les banlieues. C'est ça, vivre mieux. Salade de thon. Mange. Ça vient de ma boulangerie.
C'est une fournée spéciale. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne comprends rien. Manuel vous aime. Moi, il ne m'aime pas. Pourquoi? Il faut croire à la dignité de l'homme. Vous ne croyez même pas en Dieu, alors? Chez nous, les prêtres, bénissez les canons que tirez sur le travailleur. Il fallait bien croire à autre chose. Je ne m'intéresse pas à la politique. Je ne suis pas venu ici pour parler de politique. Je suis en train de perdre mon fils. À qui la faute? Je ne sais pas. C'est ce pays de fous qui leur tourne la tête. Au Portugal, quand un père parle, le fils s'écoute. Il y a du respect. Ici, tout est sans dessus-dessous. Manuel perd la tête. Ma fille se maquille et s'habille comme une pute. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes venu ici? Pourquoi croyez-vous? Pour réussir, pour avoir un commerce, une maison, être respecté. Au Portugal, j'étais un ouvrier pauvre. Je vivais dans une petite pièce. Et ici, vous savez réussir? Je vais réussir. Bientôt, je vais pouvoir acheter de la machinerie neuve pour ma boulangerie. Oui, c'est important. Je sais ce que vous pensez. Que j'attache plus d'importance à l'argent qu'à ma famille. Qu'à Manuel. Parce que si tu ne viens pas à l'école, ils viendront te chercher et tu ne pourras plus habiter avec moi. Je ne veux pas venir à l'école. Je ne suis pas intelligent. Bonjour. Bonjour. Je vous en prie, asseyez-vous. Alors, Manuel. Monsieur Alvarez me dit que tes capacités en lecture se sont améliorées. Lis-moi ça, page 245. Dans notre système politique, la loi est souveraine. Le respect de la loi par le pouvoir politique, comme par le citoyen, est le gage de la justice pour tous. Le suffrage est donc non seulement un droit, mais un devoir, puisque c'est en participant au choix de ceux qui exerceront le pouvoir que chacun de nous, donne son sens à la démocratie. Le respect de la loi permet à chacun de se faire entendre sans recourir à l'exaction ou à la force. Aussi. Oui, ça suffit. Il faudra qu'il repasse les derniers examens. Ça va, à l'école? Ouais. Clara a des bonnes notes. Elle va bien. Tiens. C'est pour toi. Tu vois? Régis Jackson.
Ça a été un bon joueur. Ouais. Il y a longtemps. Hey! Ok, je carré! Hey! Touche-moi pas! Hey! Papa? Non, rien. Tes notes sont bonnes maintenant. C'est une question de principe. Si mes compagnons sont brimés, je suis brimé. Nous sommes en grève! Nous sommes en grève! Nous sommes en grève! Tu t'attires des ennuis, toi. C'est ça l'autorité? Tu t'habilles comme je te dis ou je te tape sur la tête. En grève! En grève! C'est ta dictature! En grève! En grève! En grève! Que vous en pensiez, jeune homme. Une école, c'est pas une démocratie. C'est un endroit où doit régner la justice sociale, d'accord. Mais c'est aussi un endroit de discipline. La justice sociale? Quelle justice sociale? Faut décider qu'on va tous porter un uniforme, qu'on va tous s'habiller pareil, on n'a rien à dire. C'est pas juste. C'est une décision de la commission scolaire et du conseil des parents. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est une décision démocratique. Non, dictatorial. On va tous avoir l'air de pingouins. Vous, les professeurs, vous allez porter un uniforme. Vous êtes un insolent et un impertinent, Estrada. Ça répond pas à ma question. Nous, si on décide qu'on n'aime pas votre cravate ou vos pantalons, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vous qui lui mettez ces idées-là dans le crâne? Bien... J'ai quelque chose à vous montrer, mon ami. Je te tiendrai. Alors, les jeunes, la révolution, c'est terminé? Faut dire que c'était pas vraiment brillant. Hein? Alors maintenant, on va tous retourner étudier sérieusement? Non, refusez! Vous avez des droits. On est en grève. En grève. Eh bien. Il faut se tenir ensemble. Tous ceux qui retournent en classe ne seront pas punis. On est d'accord? Ils ont peur. Dis-leur qu'ils ont des droits. Dis-leur qu'il faut continuer à se battre. Dis-leur pour la solidarité. Manuel, il faut te calmer maintenant. Tu veux retourner au centre? Parfois, il s'emporte comme ça. Mais il a un grand cœur. Traître! Manuel, écoute-moi. Lâche! Manuel, attends!
Anarchiste, mon cul! Au moins, respecte les adultes. Vous parlez de liberté et dignité. Vingt directeurs, vous êtes écrasés. Oh, garçon, tu ne connais rien au monde. Tu ne sais pas comment les choses fonctionnent. J'en sais assez. C'est toi qui m'as appris. T'étais mon seul ami. En 39, la guerre en Espagne s'est terminée. Je connais toute l'histoire. Pas celle qui devait te raconter. Nous avions perdu. Il fallait que je quitte l'Espagne. Et je passais par les montagnes. C'est un jeune berger de ton âge qui m'a sauvé la vie. Mais les franquistes l'ont attrapé. J'étais déjà en sécurité quand j'entendis des cris. Je me suis retourné et j'ai vu un soldat qui tenait le jeune berger par les cheveux. Il a sorti un couteau. J'ai entendu un hurlement terrible. En France, dans le camp de concentration, j'entendais des autres réfugiés espagnols parler des garçons de la montagne. Personne ne savait d'où ils venaient. Tous parlaient de son courage, mais je n'ai pas osé les regarder. J'avais été les derniers. Tu comprends, Manuel? Le jeune berger savait pourquoi il se battait. Mais il est mort pour moi. Je te trahi dans le bigot des directeurs. Mais tu as toute la vie devant toi. Tandis que moi. Ce qui compte, Manuel, c'est de comprendre, d'être conscient et de ne laisser jamais personne mener ta destinée. Si j'avais été dans la montagne, j'aurais fait comme le jeune berger. Ils sont morts par dizaines de milliers dans l'enfer du combat, devant le peloton d'exécution et jusque sur leur terre d'accueil, face au même ennemi. Sur les routes de l'exil, ils sont restés des figures anachroniques et incomprises. Dans le tumulte de la vie, comme dans le silence des cimetières, le sédiment de l'oubli recouvre chaque jour davantage leurs souvenirs. Pourtant, là où un homme marche en rêvant de liberté et de justice, ils sont tous debout à ses côtés.